Welcome, shoppers. Ketchup, mustard, oh, sausages and buns. I can't be. Tout le monde se capote derrière, on est de retour pour une autre chronique cinéma avec mon ami Sébastien. Sébastien, où est-il ici? Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien. On parle d'un film. On parle d'un film, ça que tu as vu en Blu-ray au cinéma, que tu as streamé en live, tu as vu sur ton iPad, sur ton téléphone cellulaire, à la télévision, Netflix, il y en a trop, je capote derrière, je vais fou! De quel film tu as vu aujourd'hui? J'étais voir Sausage Party. Sausage Party? Ah oui. Es-tu sûr? Sausage Party? Ah oui, je sais. Autant comme ça sonne. Je lâche! Ah, ça sonne croche, oui. Sausage party, moi, c'est Sausage Fest! Ah, c'est proche. C'est proche. Malgré qu'on a bien des gars dans le cinéma à la regarder. Ok, là, je te juge. Ah, ouais, je sais. Je te sais. Tout le monde, on juge. T'es jugé, là. Ok, je suis jugé. Ok, on parle de film. Sausage party, ok, ça, c'est. J'ai trouvé ici, mais on va te demander la question. Qui a réalisé le film? Oh, il y a deux producteurs. Et c'était déjà très bon. C'est ça, deux producteurs. Il y en a deux. Mais les noms sont bizarres un peu. Fait que. Ok. Je me rappelle plus trop des noms. Je vois pas très bien parce que je bouge ma feuille. Besoin de lunettes? Ouais, je sais pas quoi. J'en ai déjà, mais. Ah, ok. Ça a été réalisé par, comme tu dis, deux réalisateurs, Conrad Vernon et puis Greg Tiernan. Avec des beaux noms, ça. Avec des beaux noms. Ouais, moi, tout, je fais un film comme ça. Oh, c'est ben ça, c'est ça. Et puis, la durée du film, il a combien de temps? Il était 1h26 minutes. Oh, t'es proche. Oh, je suis proche. T'es proche, mais c'est de papier. Ça dure 1h29 et c'est des recherches sur Google Internet, on peut pas se tromper. Donc, Sausage Party, ça va, vedette. Qui est là-dedans? Seth Rogen, le fumé de pot. Exactement, je pense sûr qu'il l'était quand il l'a écrit. Sûrement. Qui donc est là-dedans? Qui donc? T'avais James Franco, cet acteur tellement talentueux qui nous offre d'autres variétés de films. Mais James Franco, il a joué quoi, This is the End, quelque chose comme ça? Ouais, il a joué des films comme ça. Tu sais, le film qui se coupe le bras, là, c'est quoi, la jambe, là, The Last 24 Hours? Là, ah, j'ai pas vu celui-là. Peut-être qu'il va falloir que je m'en rende. Basé sur, c'est quoi, je pense, un livre, là, le gars qui va dans les roches escalader puis qui se tombe. J'ai entendu parler. Faut qu'il survive. Mais ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas! Non. Ok, c'est correct, je te respecte quand même. Alors, qui donc est dans le film? On a James Franco, Seth Rogen. Salma Hayek. La belle et sexy Salma Hayek. Oh yeah! Yes! Oh yeah! Et qui d'autre? T'as-tu d'autres noms de donner? Edward Norton, c'est surprenant lui de le voir là-dedans. Parce qu'on parle d'un dessin animé, hein, c'est ça? Oh oui, c'est ça, c'est bien un dessin animé. Un film d'animation. C'est pas un dessin animé pour enfants non plus. Ce n'est pas pour enfants! Donc, allez pas voir ça, les parents, n'amenez pas vos enfants voir ce film-là parce que c'est trop vulgaire. C'est cochon! Aussi. Alors, le film, ça se passe, c'est quoi l'histoire du film? Peux-tu me raconter ça? C'est l'histoire des aliments qui ont vraiment toutes des personnalités, ils sont tous vivants. Des aliments sont tous vivants. Tu me parles, quoi? Des aliments vivants. Ouais, ben, je te dis. Sont-tu passés dates? Des saucisses, le pain. Non, même pas. Ils sont passés dates et ils grouillent seuls. Ils sont pas passés dates, ils grouillent seuls. Alors, ça m'écoeure. Non, tu le sais. Ben, continue. Ben, c'est ça. Mais là, eux autres, dans le fond, ils pensent que lorsqu'ils traversent la porte et qu'ils se font prendre par un être humain, ils vont arriver à l'éternité. À l'éternité? Ah, ouais, eux autres, c'est comme si ça serait Dieu de leur côté, là, qui s'en vont voir. Là, c'est comme s'ils gagnent à la loterie et ils deviennent. J'avoue, j'ai de la misère à comprendre. Ah, c'est dur à comprendre. Pas sûr que t'as même pas la maison, faites rewind. On va réécouter l'explication parce que moi, j'ai rien compris là-dedans. Eux autres, là, dans leur tête. Dans leur petite. Dans leur tête. Si t'appelles ça des têtes, parce qu'il y en a qui en ont pas vraiment. C'est un aliment, ça a une tête, ça a un cerveau, ça pense. Tu es un aliment, ben, eux autres, ils pensent seuls. Exactement. C'est ça. Non, c'est bon. Là, continue. Le manqué. Parfait. Ouais, cool. Ça, c'est ça. Eux autres, ils se sont fait expliquer que quand ils se font choisir par un être humain, ouais, ils s'en vont à l'autre bord, puis ils sont bons pour la vie. Là. Tout va être beau, ça va être un paradis pour eux autres. Mais tu dis s'ils sont choisis, sont-ils comme dans un magasin de grosserie, puis ils sont. C'est ça, ils sont dans un magasin de grosserie, puis ils sont achetés pour ça. Ensuite se faire tuer. Oui. C'est ça, eux autres, ils pensent. Mais eux autres, mais il y a une légende que certains aliments savent que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font au manger. Fait qu'ils ont laissé une légende dans le supermarket. Pour qu'ils croient qu'ils s'en vont au paradis un coup traverser la porte. Fait qu'ils sont contents quand le monde se font choisir. C'est ça. Jusqu'à temps qu'ils arrivent chez la personne.
que là, tout change. C'est plus drôle. Non, non, c'est plus drôle partout, là. Okay. Pour retourner, c'est comme un film d'horreur, là. Okay, comme mais qui devient réalité. Puis quel aliment se choisir dans le film? Y a-t-il des aliments en particulier, comme je sais pas, un chou-fleur, un brocoli? Il y a des chou-fleurs, un brocoli, il y a une pomme de salade, il y a des patates, il y a des carottes. Mais l'histoire est basée surtout autour de la saucisse. C'est pour ça qu'il s'appelle sausage party. Ok, pour faire cuire comme un barbecue, j'imagine. Ah, ben ça, c'est ça, mais parce qu'il prend les pains en hot dog aussi. Ok, puis y a-t-il des personnages, est-ce qu'ils sont. Comment je dirais ça? Des aliments, est-ce qu'ils sont attachants? Est-ce qu'on s'attache à eux autres? Ils sont comme, qu'est-ce que j'en regarde là, des aliments qui parlent, qui sont vivants? Moi, je l'ai fumé du bon, je vais commencer à la fumer, mais je n'ai pas assez bu aujourd'hui, faut que je continue à boire. Ben, je pense qu'on est à ce point-là. Mais je me suis dit, le film est là, je vais l'écouter pareil. C'est quand même assez particulier, j'avoue. C'est particulier. Ah, je sais. Mais c'est qu'un coup, tu commences à l'écouter, tu veux quand même la conclusion. Tu veux vraiment la conclusion? Ouais, parce que tu te demandes comme comment ils vont finir ça. Ils vont-tu finir que les humains vont gagner ou que les aliments vont gagner? Parce que tes personnages principaux sont des aliments. Mais quoi, les aliments se défendent ou quoi? Ils se défendent en fait. Ils se défendent contre les humains. Un coup qu'ils ont réalisé ce qui se passait, ils se défendent contre les humains à la fin. Êtes-vous aussi perdu que moi à la maison? Moi, je suis pas. Je te suis, mais mon dieu, l'histoire, elle a l'air tellement débile. Ah, c'est débile. J'étais au cinéma en train de la regarder, puis j'étais perdu. Mais est-ce que je peux te demander? Coudonc, c'était quoi ton intérêt pour voir celui-là? Qu'est-ce que t'es intéressé dans la bande-annonce d'avoir celui-là? J'aime les dessins animés. Ok, je peux comprendre. Moi aussi, ils ont fait comme Bugs Bunny, des Simpsons. Mais là, je sais pas, les animaux qui viennent en vie. Ben, si je te mets, ça avait l'air tellement bizarre que je pouvais pas. Je pouvais pas juste pas le regarder. Le côté bizarre. Ça fallait que j'en aie le cœur net de ce qui se passait. Voilà. Exactement. Parce qu'habituellement, son cœur est mal propre, donc là, il fallait que ce soit net. Exact. C'est exact. Mais c'était. Ok. Fait que les animaux, c'est la curiosité, là, tout ce qui est bizarre. Puis les acteurs, est-ce qu'ils font une bonne job en prêtant leur voix? Est-ce qu'ils font vivre ces personnages-là d'une façon unique? Ben non. Ah, salut, je suis content de te voir. Non, non, c'est sûr qu'avec les acteurs qu'ils ont choisi, ils font bien vivre. Ok, ils font bien vivre quand même. Ok, ils ont toutes des personnalités différentes. Puis... Ok. Fait que le scénario tient debout, là. C'est bien construit ou c'est vraiment perdu d'un bord à l'autre, là. Déjà là, tu parles d'animaux qui parlent et qui marchent. C'est vrai que ça fait déjà pas de sens. Là, ça fait pas de sens. Wow. Malgré que, en tout et partout, ça se tient quand même debout. Ça réussit quand même à se tenir. Ben, c'est Hollywood après tout, hein. C'est une comédie, ça, là. Ah, c'est une comédie, C'est une comédie, puis. Ok, est-ce que puis, ça sac beaucoup. Ça sac beaucoup. Fait que si ça te dérange de regarder un film qui se sac. Fait qu'on se sac bien du fan, on se sac beaucoup d'un film qui sac, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, fait que c'est très vulgaire. Est-ce que c'est de l'humour type pipi cacapette, ça là? Ou c'est quand même de l'humour intelligent, même si c'est des aliments vivants qui te parlent? C'est de l'humour pour adultes, dans le fond. Là. L'humour vraiment, pour adultes. Vraiment, de l'humour, comment je pourrais dire, croche, pensée. Vraiment vulgaire. L'humour croche. Ah, ouais. Beaucoup d'action. D'action, pas vraiment, mais ça bouge beaucoup, par exemple. Ça bouge. C'est pas un film d'action, mais beaucoup de monde d'action. Sort du théâtre, pas aller à la salle de bain, puis qu'ils reviennent. Ah, c'est ça. Donc, ça bouge beaucoup. Vous allez, si vous louez le film, vous avez tendance à vous lever souvent dans la salle de bain. T'es encore maudit, parce que je l'ai pas vu sortir de la salle. Tu n'as pas vu un. Non, mais. T'étais-tu tout seul dans la salle? Non. Il était pas tout seul dans la salle. Okay. On était deux. Ok, il était deux. Attends. La salle était vraiment pleine. La salle était vraiment pleine de mouches. De mouches. Elle était vraiment pleine, tant mieux. Tant mieux. Donc, les bonnes recettes pour ce film-là. Même j'ai le chiffre ici, je crois. Le film au box-office a rapporté à peu près 129 millions de dollars. Je me pose des questions au sujet des Américains. Mais en tout cas, si c'est un bon film, tant mieux. L'humour et pipi cacapette pas très intelligente et... c'est ça. Donc, est-ce que t'as une scène favorite dans ce film-là? Est-ce que t'as un personnage favori dans ce film-là d'animation, d'aliments vivants qui sont... Personnage favori, pas vraiment, dans le fond. C'est pas mal neutre. Pas mal neutre, ouais. Ok, pas mal neutre. C'est juste qu'il tourne pas mal autour de la saucisse, dans le fond, là, qui est la... Bon, t'as arrêté de tourner après? Ah, c'est ça. Ok. Il tourne pas mal. Puis à la fin, j'imagine, il y a des saucisses qui sont tuées aussi. Il y a des décès d'aliments là-dedans. Ah, c'est certain. C'est triste. La vie de nos jours, tuer les aliments. La patate se fait éplucher. Oh non. Les carottes font manger. D'ailleurs, comme ça. Les affaires de même. J'en reviens pas, je suis choqué. C'est comme la bande-annonce le montrait. Je me souviens pas très bien de la bande-annonce, j'avoue. Donc, toi, est-ce que tu apprécies ce film-là? Je l'apprécie pour le regarder au moins une fois. Une fois, pas plus, c'est assez pour toi. Une fois, c'est assez. La prochaine fois, tu dis, faut que je prenne un trip d'acide pour enjoyer ça. Exactement, voilà. Donc, sur une cote de 10, tu aimerais combien ce film de l'aliment vivant, là, qui sont... 6.5. Donc, c'est sur le bord de passer, mais... OK. Ça passe juste, si t'aimes ce genre d'humour-là. Okay. Si t'aimes pas l'humour qu'il y a là-dedans, c'est garanti. L'humour vulgaire, c'est sûr que t'aimeras pas ça. Ben, je suis content que tu m'en aies parlé de ce film-là, c'est super intéressant. Je me meurs d'envie de ne pas le voir! Donc, je te remercie. À la prochaine pour un autre Chronique cinéma. Salut!